11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL. Avec Jade et Eric Dussard. Et il est maintenant temps de vous conseiller le meilleur programme de la semaine à venir à la télévision. Et pour cela, évidemment, nous sommes en ligne avec Rémi Jacob de Télé Loisirs. Bonjour Rémi. Bonjour Eric, bonjour Jade. Bonjour Rémi. Aujourd'hui, vous allez nous parler de la série Le Mensonge avec Daniel Auteuil. Une série que vous avez beaucoup aimée. Dites-nous tout. Et absolument. Le Mensonge, qu'est-ce que c'est bien? C'est une mini-série en 4 épisodes. C'est diffusé sur France 2. C'est à partir de lundi soir. Alors, c'est adapté d'une histoire vraie, hein, une affaire très médiatisée à l'époque. Hein, c'est l'affaire Iacono. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, Christian Iacono, c'était ce maire de Vence, hein, une ville du sud de la France. Un maire à qui tout réussissait, hein, tout se passait très très bien pour lui, jusqu'au jour où son petit-fils, hein, c'est terrible, va l'accuser de viol. Sa vie bascule évidemment, il va aller en prison. Sauf qu'en réalité, eh bien, son petit-fils l'avait accusé à tort. Hein. C'était un mensonge, d'où le nom de cette série. Il se rétractera finalement et Christian Iacono sera acquitté. Hein. Il en a fait un livre. Cette série s'inspire donc de son récit et c'est Daniel Auteuil qui incarne cet homme au destin brisé. Alors un mot justement sur Daniel Auteuil qui crève l'écran dans cette série. Exactement, il est très très juste, très sobre et c'est la première fois finalement qu'il joue un grand rôle dans une série télé, hein, puisqu'à part quelques petites apparitions ici ou là dans les années 70, eh bien, on ne l'avait jamais vu sur le petit écran. Alors c'est très très étonnant, hein, c'est un mystère, il nous l'a dit lui-même en interview, hein, on ne lui propose jamais rien à la télé alors qu'il est très sollicité évidemment en parallèle au cinéma. C'est très bizarre, pourtant il aime la télé, hein, Daniel Auteuil, il ne se pince pas du tout le nez quand on lui en parle. Non, ça fait une drôle de voix en plus de se pincer le nez quand on, quand on parle. Donc si des produits nous écoute aujourd'hui, écoute RTL, franchement n'hésitez pas, faites-y des propositions, ça vaut le coup. Merci beaucoup Rémi Jacob. Merci et on sera dans cette série Le Mensonge avec Daniel Auteuil.